Bonjour, je suis Magali, vice-présidente de l'association Union de la Sagesse Populaire, qui a pour objet le soutien et la promotion des droits de l'homme. Je vous laisse le soin de vous présenter. Bonjour, je suis Rokaya Diallo, journaliste, auteure et réalisatrice, et militante antiraciste et antisexiste. Enchantée. Quel est votre sentiment concernant l'application des droits de l'homme en France, ce pays qui en est le berceau ? Alors moi, j'aime pas parler de droits de l'homme, je préfère parler de droits humains, parce que souvent, quand on parle de droits de l'homme, je trouve qu'il y a une dimension un peu sexiste et qu'on est un peu le seul pays francophone à continuer à dire droits de l'homme au lieu de droits humains, qui me semble englober une humanité un peu plus complète. Je pense qu'on aime beaucoup se prévaloir en France du fait d'être effectivement le pays des droits humains, et que malheureusement, à part déclamer ce statut, j'ai le sentiment qu'il y a des citoyens qui sont oubliés, qui sont les oubliés de cette déclaration. Donc aujourd'hui, au-delà des proclamations, je pense qu'il faudrait songer à les mettre en œuvre pour de vrai. Par le biais des micro-trottoirs, nous luttons contre l'oubli et l'ignorance des droits de l'homme. Pour cela, nous demandons à chaque participant de nous lire un article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Pour cela, je vais vous demander de piocher un numéro. J'ai le numéro 17. Donc, il faut que je lise l'article 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige, évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Alors, c'est pas forcément l'article avec lequel je suis le plus à l'aise, celui du droit de propriété inaliénable. Je suis davantage attachée aux droits physiques de la personne, aux droits moraux. J'avoue que celui-là, c'est pas mon préféré, mais bon, il en fait partie. Je vous remercie pour cette lecture. Est-ce que je peux me permettre de vous demander de nous offrir votre soutien et votre solidarité par un geste simple en allant liker la page Facebook de l'Union de la Sagesse Populaire ? Oui, vous pouvez compter sur mon soutien, donc je vais aller la liker dès que j'ai accès à nouveau à mon téléphone et à Internet. Merci pour votre solidarité et pour votre lecture. À très bientôt, bonne continuation. Merci à vous.